Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui, on fait un dernier arrêt sur le statut de développement de Dirt Rally. Ça y est, la version 1.0 est entre nos mains. La voici sous vos yeux et surtout, l'annonce a été faite. Le jeu sortira sur console pour 2016, Xbox One et PS4 au programme. Mais en attendant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la dernière mise à jour et son contenu, à savoir un rallye. Un monde nouveau, la neige et la Suède arrivent dans Dirt Rally, accompagnés de deux WRC dernière génération. La première, vous l'avez sous vos yeux, la Polo WRC championne du monde grâce à Sébastien Ogier. Vient également accompagner cette Polo, eh bien, la Hyundai i20 de Thierry Neuville. Eh bien, ces deux voitures-là sont assez intéressantes à piloter, même si la Volkswagen est assez atypique. Elle n'est pas transcendante. Finalement, comparé aux autres voitures qu'on avait déjà dans la division, à savoir la Mini et la Ford Fiesta. Par contre, j'étais un peu plus intéressé par la Hyundai i20 qui, moi, m'a beaucoup plus séduit, je trouve, au niveau de son bruit déjà et de son comportement. Alors, au niveau maintenant du rallye qui est ajouté, le rallye de Suède, vous allez avoir des spéciales beaucoup plus difficiles et on sent qu'en fait, au fur et à mesure du développement de ce Dirt Rally, eh bien, le niveau de difficulté a bien augmenté puisque eh bien, à chaque fois vous ajoutez une petite contrainte supplémentaire qui vous force à adapter votre pilotage. On l'a vu avec eh bien, la Finlande où il fallait aller très vite et savoir gérer les transferts de charge de sa voiture sur les sauts. Ici, eh bien, il va falloir gérer les travers de vos voitures sans toucher les bords de piste. Les murs de neige sont de vrais murs de caoutchouc, ils vont vous arrêter, donc il faudra réussir à jongler entre les pistes, entre les virages, entre les sauts et entre les changements de ligne. Et pour cela, votre copilote vous sera bien utile. Copilote qui a été amélioré, la voix est un petit peu moins énervante dans ces nouvelles spéciales, on sent que la voix a été retravaillée. Il y a encore quelques petits bugs, mais globalement, le jeu est vraiment excellent. Et une fois de plus, je le répète, chaque fois que je fais une vidéo sur ce Dirt Rally, eh bien je me suis amusé, je me suis éclaté à piloter pour tourner ces spéciales qui sont généralement, vous allez le voir, bien des first run, des premiers jets, on va dire, des premières fois. Vous allez avoir donc cette spéciale avec la Polo WRC, ensuite une spéciale de nuit avec la Ford Escort groupe A, suit la Hyundai i20, nouvelle voiture donc, et on terminera avec un petit plaisir, l'Audi Quattro monstrueuse des années 80, eh bien viendra conclure cette vidéo de présentation de ce dernier DLC. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce jeu un petit peu moins cher que sur Steam avant que le prix n'augmente avec la sortie officielle dans la description sur gamesplanet.com. On les salue, merci à eux de nouveau. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous proposer de monter le son et de profiter de chacun de ces plans de caméra plus excitants les uns que les autres. Et vraiment, c'est une ode au rallye. Et une fois de plus, Codemasters, je vous le dis, abandonnez la Formule 1 et faites-nous du rallye. Merci les amis, bonne vidéo, bon amusement en piste. A bientôt, salut. Virage à 90 degrés à gauche sans couper. Longue crête. Droite 3 long 60. Attention, gauche 5. Droite 6 sur crête, possible saut. Droite 3 sur long 130.
droite 4 sur crève. Gauche 3 ferme sur Delon. Droite 3. Droite 3 semi-long 40. Gauche 2 corde. Droite 4. Gauche 4 s'ouvre sur crête 80. Droite 2 long. Gauche 2 corde. Sur 3 sur bosse. 40. Petite crève basse 40, attention virage gauche 2, 60. Droite 5 prudent, gauche descente, gauche 5 sur crête, 60, gauche 4 ans. Gauche 3 long corde. Gauche 4 sur crête. Droite 3 long s'ouvre.
Gauche 4, semi-long sur crête 150. Gauche 4, long ferme. Droite 4, long s'ouvre et ferme. Sur crête 100, ligne droite. Serrez à gauche, un coup sur crête 100. Droite 5, 40, 13. 60. Gauche 3, long et longue crête. Virage à 90 degrés à droite. Droite 6, crête. Gauche 5, semi-long, crête. Droite 5, ferme sur 4. Crête 60. Gauche 4, semi-long 40. Droite 4, ferme sur 3 et ferme sur 2. 40. Gauche 3, semi-long. Gauche 2, 40. Attention, droite 3 ferme sur épingle droite. Sur 2,80. Droite 4,40.